Le Royaume-Uni est le premier pays à annoncer officiellement un décès dû au variant Omicron. Face au raz-de-marée du variant, le pays met les bouchées doubles pour que tous les adultes puissent recevoir une troisième dose de vaccin anti-Covid d'ici la fin décembre. Une tâche qui s'annonce titanesque. J'ai pris les deux doses du vaccin, plus un rappel, je suis un peu inquiet. Ce début de semaine, les Britanniques faisaient la queue devant les centres de vaccination, alors que le site de réservation du service public de santé devenu inaccessible et submergé par la demande. Un passeport sanitaire sera aussi imposé dès mercredi dans les grands lieux de rassemblement. Les gens de ma génération ont pris les trois doses du vaccin, donc si nous retournons en lockdown, à quoi aura servi le vaccin ? Détecté au Royaume-Uni fin novembre, Omicron devrait très bientôt être le variant dominant selon le gouvernement. Le niveau d'alerte Covid a été relevé de 3 à 4, le deuxième niveau le plus élevé, indiquant une transmission élevée. La pression sur les services de santé se fait sentir. Omicron représente déjà 40% des contaminations à Londres et sera d'ici demain à l'origine de la majorité des cas, a prévenu le Premier ministre britannique.